Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle sortie du magazine. Au sommaire de l'actualité, cérémonie officielle du 18 novembre sans incident. La cérémonie protocolaire officielle de Vertière s'est déroulée sans incident au musée Panthéon National Mupana. Il n'y a eu ni fusillade des groupes armés, ni des manifestations de la population. Une cérémonie de 60 minutes ayant trois discours relativement courts. Les membres du gouvernement, le général en chef, les membres d'état-major et certains diplomates étrangers avaient assisté à cette cérémonie de commémoration de la dernière bataille de l'armée indigène par les troupes expéditionnaires françaises le 18 novembre 1803. Je vous invite à visualiser le discours du Premier ministre, M. Ariel. La victoire des troupes indigènes sur l'armée napoléonienne a ouvert la voie à l'indépendance et à la souveraineté nationale. En dépit des antagonismes qui les opposaient les uns aux autres, esclaves et affranchis, noirs et mulâtres, ont eu l'intelligence d'opter pour l'union et le tête ensemble. Le général de l'armée française, Rochambeau, a dû pour la première fois de sa carrière militaire faire face à des soldats et des généraux épris de liberté. Des combattants qui croyaient que l'arme la plus puissante n'était même pas la baïonnette à la pointe du fusil, mais de préférence une prise de conscience collective qui conduisit au triomphe de cette journée historique à travers le cri de guerre, grenadier à l'assaut, ça qui mourit, ça fait ailleurs. Maintenant, la transcendance de 1803 devrait aujourd'hui être le maître mot qui guide nos actions. Nous ne pourrons jamais affronter les défis de l'heure en graines 5. Depuis quelque temps, j'ai fait du dialogue avec des organisations sociales et politiques mon cheval de bataille. Cela m'a permis d'aboutir à un large consensus, à un accord politique pour une gouvernance efficace et apaisée, dont les retombées seront profitables pour toutes les filles ainsi que tous les fils de la nation. Je persisterai dans cette démarche avec détermination et opiniâtreté, car je reste convaincu que cette voie qui privilégie le dialogue et le consensus nous conduira à bon port. Nous avons l'obligation de rééditer 1803 à cause des urgences et des problèmes auxquels fait face notre nation. Nous devons mener un combat sans merci pour parvenir à aplanir les sentiers et faire taire nos divergences en vue de continuer sur la voie de la démocratie. Pour y parvenir, nous devons transcender nos querelles, consentir des sacrifices énormes, aller au-delà de nous-mêmes et emprunter la voie du consensus. L'un des événements importants que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que les officiers François Capois, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, entre autres, savaient que le chemin de la liberté était irréversible. Regarder en arrière serait la catastrophe. Ils ne pouvaient pas regarder en arrière, grand était le défi. Mes chers compatriotes, 1803 est un exemple extraordinaire d'unité nationale et de dépassement de soi. Dans l'un de mes derniers messages, j'avais souligné l'esprit de grandeur des généraux noirs et mulâtres à l'Arcueil.
Autre point qui domine l'actualité en Haïti, l'armée est attristée par l'absence d'équipement. Lors de la commémoration du 18 novembre 2021, les militaires haïtiens étaient attristés par l'incapacité des forces armées d'Haïti à rétablir l'ordre et la sécurité sur tout le territoire. Le major Eddy Marcelin, tout en pleurs, a exprimé sa douleur et celle de ses compatriotes et frères qui sont impuissants face aux violences quotidiennes des groupes armés. Le major Eddy Marcelin a affirmé que les autorités gouvernementales n'ont pas pu fournir des équipements nécessaires pour mettre fin à la terreur de ces gangs. Avec un char d'assaut, deux véhicules d'assaut et un hélicoptère de combat, a précisé le major, assurant que l'ordre pourra être rétabli sur tout le territoire dans 2 semaines. L'opposition ne perturbe plus les cérémonies officielles. Les opposants du président M. Jovenel Moïse avaient pour habitude de provoquer le boycott des cérémonies officielles dans le cadre de leur combat politique. Le 17 octobre dernier, le premier ministre Ariel Henry n'avait pas pu faire l'offrande florale au Pont Rouge. Par contre, ce 18 novembre, nous avons pu remarquer que ses opposants sont des alliés du pouvoir dans le cadre de l'accord du 11 septembre. Cependant, l'un des membres de l'opposition, M. Ronnie Timothée, ne décolère pas contre le comportement de ses camarades et il regrette qu'en réalité, les dirigeants des partis politiques ne s'intéressaient que de leurs intérêts personnels et ils ont été satisfaits en décrochant des postes dans le gouvernement de M. Ariel Henry. Des syndicats s'opposent à la hausse des prix de produits pétroliers. Déjà plusieurs semaines après l'adoption de nouvelles dispositions par le ministère du Commerce et de l'Industrie, il y a eu en effet une amélioration de la distribution de l'essence. Des syndicalistes ont lancé ce 17 novembre 2021 une mobilisation pour empêcher une hausse inconditionnelle des prix de l'essence. Ils affirment d'avoir été informés des recommandations d'une commission spéciale sur la fin de la subvention sur les produits pétroliers. Séisme dans le Grand Sud. Les habitants vivent toujours dans une situation précaire. Suite au séisme du samedi 14 août dernier, les habitants du Grand Sud du pays vivent toujours dans des situations précaires. 3 mois de cela, il n'y a eu aucune amélioration. Les aides venant de différentes organisations nationales et internationales n'ont pas touché les zones les plus reculées. Dans cette nouvelle sortie du magazine, nous allons recevoir un politologue pour faire le point sur la crise sociopolitique en Haïti. Mais avant de le recevoir, nous allons prendre une courte pause et nous allons revenir tout de suite après. Dimanche 28 novembre, week-end Thanksgiving, FIU tête droite, Diaspo Camp Festival lié Toto, Diaspo Entertainment a présenté dans FIU North Stadium, 2655 North East 151e Street, 16e édition Diaspo Camp Festival. Anessa, mariage, boulak, musique la préo, l'autre niveau. Pendant toute journée, boule a boulé, musique a frappé. Équipe célébrité, au bras vers face carré avec vétéran de Miami, solution contre Phantom Barbershop, désir contre TL Barbershop, Haïti avec Jamaïque pral roule ballon. Et puis ambiance musicale boucan d'effet à classe. Tony Mix, Click, Divac, DJ Nicky Mix, Billy Mix, Pascal, Dieguito et DJ Wagabulu NYC pral fait petit effet volant, mettre cérémonie, coach roulant. Admission $20, patronné par coach roulant école de sport, Dr. Sano Chiropractor, Allen TV, Radio Mega, Pay Here, NG Production, Infoline, 786-290-6166, 954-263-4690, 786-619-5880. Moun Sid Florida yo, est-ce que nous pare? Haïtien yo, est-ce que nous pare? Anetball 360, nouveau sport révolutionnaire, 21e siècle, retourné dans Sud Florida encore. Anetball 360, ap si mae sous tout globe là. Vinoué jouet amusant et intéressant ça, dans Nova South Eastern University, Rick Case Arena, Kishita dans Davie, Florida. Dimanche 28 novembre 2021, à 6h30 p.m. Porte ouvrie à 5 p.m. Venez en foule, faites la belle. Pour plus de formation, visitez-nous dans anetball360.com ou relez-nous dans 1-800-752-9360. Tickets sont disponibles dans Ticketmaster ou bien dans Box Office dans Rick Case Arena. Anetball 360, qui était pour nous.
Comme je l'ai annoncé tantôt, nous allons faire lumière sur la crise politique et nous avons déjà un invité avec nous, c'est le politologue Maudelet Fertile. C'est un plaisir pour me capable de gagner sur plateau Telemasters Magazine, je veux dire. Bonsoir Kimberley, c'est un plaisir de me avec nous aujourd'hui pour analyser la situation sociopolitique pays. Exactement. Je veux dire, nous allons analyser la situation sociopolitique pays. Mais avant que nous commencions, c'est notamment pour faire une différence pour nous entre politologue et politicien. Bon, habituellement, là, on parle des politologues ou on parle des politistes. Ou est-ce des gens qui font études, des cas approfondies dans la question de sciences politiques, c'est-à-dire, sont une spécialité dans la question de sciences politiques ou bien c'est ce qu'on appelle la politologie. Mm-hmm. Ça veut dire, sont des gens qui là pour produire des recherches ou faire des analyses autour de la situation ou bien des termes ou bien des cas de thématiques politiques, mais qui fixent tout fonctionnement de l'État à l'égard des populations ou bien relations qui développent entre l'État avec les gens qui vivent dans la cité. Et j'allais me dire, dans la cité, nous parlons de cité, nous sommes cité à cause des citoyens et citoyennes, ça veut dire que c'est espace humilié que nous avons évolué ou bien à vivre. Mais lorsqu'on parle des politiciens, politiciens sont des gens qui font politiquement servir comme métier. C'est des gens qui posent des actions politiques. Ça veut dire que c'est des gens qui engagent dans des batailles politiques, qui appartiennent avec un parti politique, qui visent tout pour prendre pouvoir. Mais politologue là pas seulement visé pour prendre pouvoir, il y a un monde qui politologue qui politicien tout, mais il y a un monde qui politicien pas forcément politologue. OK, c'est-à-dire un monde qui politicien la fait politique, la poser des actions politiques, mais il pas étudier véritablement la science politique pour au moins produire des analyses en profondeur en ce qui a trait avec regarder problèmes politiques ou bien les enjeux politiques. Mm-hmm. OK, et c'est différent ça qui vient entre un monde qui fait science politique avec un politicien. C'est-à-dire, politicien, un, il vise pour pouvoir. Deux, il fait appartenir à un parti politique, une structure politique, une organisation politique. Et politicien, tout, il est un monde qui véritablement fait que son bataille politique là, servir comme véritable métier. Ok, on dit qu'en Haïti, nous plein politiciens de ce fait. Parce que les gardés politiciens que nous gagnons, nous ne pouvons pas forcément dire politiciens, ça, c'est politologue. Non, directement, c'est-à-dire de monde qui appartient à un parti politique ou une organisation politique, de monde qui a dit cap goumé pour prendre pouvoir, qui est un objectif bien spécifique, là monde ça ou yo parler des politiciens. Mais il y a un monde tout qui étudie science politique, les ka vini tout, li ka fait pour li ka un politicien tout parce qu'il ka visé pour prendre pouvoir. C'est-à-dire pour faire politologue, faut au moins passer 4 ans d'études ou étudier, OK, et puis ou une capacité pour produire des analyses de garder raffinées sur questions politiques, sur les enjeux politiques, sur relations de garder les dirigeants et les dirigés et garder mode de fonctionnement l'État à l'égard des populations. OK. Actuellement là nous avons une situation en Haïti, une situation qui est très chaotique. Qui compréhension gain de situation ça? Bon, en Haïti, problème que nous vivons là, c'est pas un problème qui date aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que, ouais, le problème est un problème qui est très chaotique en Haïti. La pandémie est difficile pour me situer le problème là. Ça veut dire qui ça? Problème aussi tellement pile, parce qu'on a un problème d'insécurité, on a un problème de la vie chaude, un problème de gang, un problème d'instabilité politique, on a un problème pris pour du haut cap exonéré chaque jour plus. Ça veut dire qu'on n'a pas de problème en Haïti. Mais qu'on a là, tout problème ça, il y a un problème qui est primordial. C'est l'instabilité politique. Il se fait une instabilité politique qu'on est dans le pays, ça a débouché sur tout le problème parce que politiquement, il prime sur tout le bagage. Depuis l'instabilité politique, il y a des répercussions sur la santé, sur l'éducation, sur l'économie, sur la culture et autres. Okay? Mais là, je garde des problèmes, des questions ça, et je me sens mal à l'aise pour me situer. Est-ce que nous voulons garder des questions d'instabilité politique, des questions de gangsterisation, des questions de kidnapping, des questions de vol, des questions. Ok? Ou bien des questions de bataille pour prendre pouvoir en Haïti, ou bien bataille pour qu'il pouvoir en Haïti. Ouais, problème complexe et crise les multidimensionnels, il paraît dans une situation côté ne pas véritablement canaliser le moi-même seul, c'est pas dit exactement côté ne pas aller. Alors, n'a prend instabilité politique là, vu que vous dites instabilité politique là, c'est lui-même qui prime sur toute l'autre crise que nous gagnons là dans confronté actuellement là en Haïti. Très bien. Instabilité politique quoi vivre aujourd'hui, il pas daté d'aujourd'hui. Ça veut dire depuis avant même. Mais depuis après la mort de Saline en 1804, en 1806 alors, et on va joindre ce qu'on appelle la bataille des cyber, on va gagner la sécession du pays, puis en principal rendre, le groupe de l'Équipalité dans le Nord, le groupe de l'Équipalité pour le Prince. Mais le problème, ça, quand elle sortit, la mort de Saline, c'est avant même, parce que avant l'indépendance, tu as une entente qui te joint entre les Milates et les Noirs. Parce que les Milates n'ont pas tous les amis noirs.
parmi la tout est plus près blanc que noir. Donc pour battre contre l'esclavage, ils ont obligé de mettre d'accord pour prendre l'indépendance pour dire que j'ai payé ensemble. Mais après ça, ils viennent retrouver une situation côté que tout n'est besoin de contrôler le pouvoir et ils pas qu'à véritablement mettre d'accord sur même bagaille. C'est-à-dire, mes ententes entre eux. Et là, après la mort de Saline, le pays a totalement divisé. Et depuis lors, commence une instabilité politique. Mais si nous avons vu une là, on va regarder là, en 1987, après 29 ans de dictature de Jean-Claude et François Duvalier, et Jean-Claude Duvalier, on retrouve en 1987, de 1987 à 1990, on passait environ près de 5 à 6 présidents. Instabilité politique tête chargée côté que la mer bay coup d'état parce que nous dit nous adoptons une nouvelle on dirait un nouveau régime politique qui est la démocratie côté que nous mal abordé question hein, parce que nous exclut ma coupe là-dedans nous exclut monde qui fait partie du valio là-dedans ça veut dire que ça on met un groupe de monde dehors pas doit parler de démocratie et l'ordre de démocratie pas d'inclusion on pas parler d'exclusion ou exclut monde ça et depuis là question instabilité a continué à dire à grandir sous sol là et je dis hein, à 1987, à 1990, ou vient Aristide comme président, et depuis Aristide vient président en 2004, où est-ce que problème toute la Saint-Journée, 1991, ouais, coup d'État, où j'ai la fonte à préparer, depuis le même moment élection avec Pascal Touyon, après coup d'État en 1991 encore, vient un vrai coup d'État fait avec Cédras, ok? Au-delà des coups d'État, ça, des coups d'État ça encore, on va jouer un problème entre le Parlement, avec Mounia Meti comme Premier ministre en Haïti, Aristide en exil, international à bataille véritablement pour Aristide tout en 1994, ou de 1994 à 1995, 95 vient l'élection privale, ou vient en 2000-2004, problème pirède, instabilité politique, Aristide Baka Fermandal de 2004, et on va regarder 2004, jusqu'en après on va faire l'élection en 2005-2006 pour Préval 2010. Instabilité toute la semaine, manifestation à gauche à droite. Mais quoi, qui ça cause le problème ça yo? C'est parce que la majorité de monde qui vient comme président en Haïti, il n'y a pas de projet de société, il n'y a pas de plan, de programme qui vous dit qui côté réellement n'a mené avec le pays. Et ça vient poser de graves problèmes sociétals. Et chaque monde n'a pas de culture politique pour dire si nous prenons le pouvoir, 1, 2, 3, 4, mais ça a fait avec le pays. Ok? Quand chaque monde prend le pouvoir, on leur goûte le nez pour comprendre la meilleure façon pour battre pour prendre le pouvoir tout. C'est une bataille contre ça sous toute forme. Toutefois, où le monde n'a pas visé à aller dans le même sens avec eux, ou bien pas visé intérêt par eux. Ok? Eh bien, c'est ça qui crée des problèmes. Un, parce que l'idée, c'est pour battre pour pouvoir, pour prendre pouvoir, pour consolider pouvoir. Deux, il y a des qui besoin de prendre pouvoir, mais il y a qui besoin de qu'aimer pouvoir. C'est comme si Jean-Marc avait dit le prince. Tout ça n'a pas fait bon pouvoir pour qu'aimer pouvoir. Il y a fait, il y a des hommes, il y a tué le monde. Il y a éliminé les gens, il y a tué les journalistes. Mais tout ça, les gens qui sont au café pour prendre le pouvoir, tout, il y a fait manifestation, il y a bloqué le pays, il y a tué les gens, il y a baisé les âmes. Et ça, vient mettre en condition quand il vient un paquet de jeunes garçons et jeunes femmes qui sont armés. Ok? Ils sont armés parce qu'on a un État qui est faible. L'État n'a pas véritablement investi dans des projets sociaux qui ont facilité les moyens pour fonctionner en dans le quartier populaire, en dans la zone reculée. Et la meilleure façon de vivre, c'est de dépendre d'un candidat qui va aux armes pour faire manifestation, pour faire des autres pour eux, à chaque fois qu'il y a une élection. Ok? Et bien, c'est là où vous retrouvez une instabilité chronique politique, parce que tout n'est pas besoin de pouvoir, et on le groupe n'est pas besoin de pouvoir. Ok. On dit que nous avons un président qui a assassiné. Ok, il a assassiné lui pendant que lui a eu le pouvoir, c'est Monsieur Jovenel Moïse. Et que, est-ce qu'on comprend le concept Jovenel Moïse là? Parce que lui était venu mettre nous dans une situation à ce que nous n'avons pas de parlement du tout. Est-ce qu'on comprend le concept lui était besoin d'adopter à la population haïtienne? Je pense que la question Jovenel Moïse là, est complexe. Elle est complexe parce que Jovenel fait partie d'un gouvernement. D'administration. Okay? Mais l'État, j'aime toujours dire, l'État est permanent. Mais le gouvernement provisoire est éphémère. Le gouvernement est là pour un petit bout de temps, il est duré. Mais l'État n'a pas bon duré. Okay? Ça dit, problème étatique, là, problème l'État, il date depuis 1804 parce qu'il n'a pas de gens voulaient fonder l'État ici. Et jusqu'à date, nous avons gagné ce qu'on appelle l'État ici. Il faut fonder l'État ici, on a fondé ce qu'on appelle l'État-nation. Qui peut faciliter nos bons états qui propres avec nous-mêmes à la nation ça, et qui peut permettre que le travail qui fait au profit dans l'intérêt de cette nation. Jovenel Moïse vient dans l'État, mais il manque qu'on prenne l'État. Et c'est ça nous les novices en matière politique. Parce que
Et ça a tout causé de graves problèmes sur la société haïtienne. Un paquet de nègres de 1987 à aujourd'hui. C'est un nègre qui arrive président du pays, qui plus ou moins était sur le parti politique, c'est François Manigari. On a après tout l'autre nègre, des nègres qui sont de l'île, qui t'a parlé, qui t'a gagné des discours, mais pas de gens véritablement des projets de société pour changer le pays. Jovenel Vin, le président, nous, moi, tout le monde connaît, côté que le peuple a taboumé en face de Matéli, parce que tu as un paquet de l'argent gargoté, et puis Matéli vient vendre Jovenel Moïse. Exactement. Matéli vient vendre Jovenel Moïse là, comme Nek Banane avec un projet fictif, et puis Jovenel là, Jovenel vient président, il baffe la population, parce que le peuple là, son peuple qui véritablement pas bon culture politique, ou pas formé politiquement, ça dit son peuple ou qu'a plus mené avec slogan, qu'est le projet de société. Ok? Ça dit, si vous pouvez présenter le peuple en projet, c'est difficile pour comprendre. Mais on dit comme ça en avant, on dit comme ça tel bagage, on dit ça dit il facile de nous adapter avec comme ça et autant de fois par la marché et la privée sous plus monde et je venais là quel vinéli non situation comme ça mais je venais pour paquet de promesses avec population et malgré ouais l'offre fait promesse au moment des élections ça pas grave non ouais l'offre finit venir dans pouvoir ça dit moins dedans ou continue à faire ou soit carrière il est mal ouais si par exemple président fait toute promesse il fait les président pas fait tout. Il a dit, ah, il est en vie pour prendre pouvoir. C'est normal, il est cadeau en vie pour pouvoir. Il a dit tout ça, il doit dire pour convaincre le monde. Mais lorsqu'il prend pouvoir, il va faire un peu pas réaliser, mon cher, il va gagner pour bon encore, ou pas mentir seulement. Parce que où dans bagaille là, où est bagaille là, sous d'où pour faire ça ou pas faire, c'est une mauvaise foi pour pas faire. Parce qu'on l'a donné. Eh bien, Jovenel a menti contre le peuple là, à plusieurs reprises. Et Jovenel vient retrouver, il a dit, dans deux dernières années, yo, et Jovenel vient de trouver une situation difficile, quand il y a une pile de manifestations dans le pays, pour instabilité politique, pour grand goût, pour la vie chère, pour kidnapping, pour insécurité. Mon a demandé pour Jovenel aller, faut aller. Ok? Ça n'a pas grave. Le président, il y a un bâton de l'ordre des avocats qui mourent pour la Jovenel Moïse. Et pour moi-même, Jovenel mourut depuis le même moment, devant le mourir. Ça veut dire que ça. C'est le président de la République. C'est le monde qui est persécuté dans le pays. Si on a une possibilité pour arriver chez moi devant la caillou, ou quand mourir n'importe quel moment. Ça c'est vrai. Ok, gardez pour eux. Doval mourir, mettre Doval mourir la caillou. Jovenel mourir la caillou. Mettre Doval te mourir pas de mon bal qui pète, Jovenel pas de mon bal qui pète. Ça dit Jovenel mourir le même moment que mettre Doval mourir. Ils sont pas tenants en vue de mon nom. Il se passe quoi vivre là, pas sécurisé. N'importe des autres cafés, faut d'accord ou même peut-être pas en sécurité. Ça dit, si, m'a dit c'est Jovenel qui tue tête li. Non, c'est ça. Parce que si le président de la République, faut au moins périmètre qui mourir hein. Faut bien sécuriser. On pas carré ton côté pour mon espace là et puis pour monde qui tue mon aller librement facilement ça que pas dans crivel. C'est pas possible. Le président de la République. OK? Et bon Jovenel tu entre dans dynamique, t'as contrôle le tabou main contre un groupe de monde dans des oligarques corrompus en Haïti qui gain b majorité richesse pays à la main. Oui, en Haïti gain ça. Gain ça dans pays hein parce que nous pas gain trois classes. Si n'a pas côté classe, on a gagné n'importe 10, n'importe 15, n'importe 20 classes. Ou bien dit gagné 2 classes. C'est monde qui gagne, à monde qui pas gagne. 2 classes. Maintenant, ma beau, maintenant, Jovenel dit la goumen contre nèg yo, mais au fond il menti. Jovenel pas la goumen contre bourgeois salope là, c'est bourgeoisie comme cadeau. Mais Jovenel t'a goumen contre un groupe de monde qui te en mille, qui te financé la campagne, il vient gagne deux problèmes avec yo, il choisit battre en face comme ça. On va dire simple. Jovenel quand il porte de pelle dit il y a 19 nègres qui doivent être 19 millions de dollars américains. Venez dans moins que 2 semaines, faut nèg ça remettre l'état l'argent. Et puis même Jovenel ça, il paraît, il prétend l'autre nèg 19 millions de dollars américains. Et le ballon paquet de paysans pour la faire zone franche. Ouais, ça veut dire que il y a des gens qui privilégient et qui de l'autre monde tout, qui Jovenel a attaqué. Ça montre une bataille, ce n'est pas une bataille qui est visée pays vrai, mais c'est des batailles qui t'ont réglé affaires personnelles chaque monde. C'est ça. Eh bien, ok. Modler, avant que nous continuions ensemble avec l'interview, nous prenons une petite pause et puis nous retournons tout de suite après. Moun Sid Florida, yo. Est-ce que nous parlons? Haïtien, yo. Est-ce que nous parlons? Annette Ball 360, nouveau sport révolutionnaire, 21e siècle. Retournez dans Sud Florida encore. Annette Ball 360, ap si mae sous tout globe là. Vinoué jouet amusant et intéressant ça. Dans Nova South Eastern University, Rick Case Arena, Kishita dans Davie, Florida. Dimanche 28 novembre 2021 à 6h30 p.m. Porte ouvrie à 5h p.m. Venez en foule, faites la belle. Pour plus de formation, visitez-nous dans annetball360.com ou relez-nous dans 1-800-752-9360. Tickets disponibles dans Ticketmaster ou bien dans Box Office dans Rick Case Arena. Annetball 360, fierté pour nous.
28 novembre, week-end Thanksgiving, nan, FIU tête droite. Diaspo Camp Festival lié Toto. Diaspo Entertainment a présenté dans FIU North Stadium, 2655 North East 151e Street, 16e édition Diaspo Camp Festival. Année ça, mariage, boule avec musique, la prenons l'autre niveau, l'autre niveau, l'autre niveau, l'autre niveau. Pendant toute journée, boule a boule, musique a frappé. Équipe célébrité, vous pouvez faire face carré avec vétéran de Miami, solution contre Phantom Barbershop, désir contre TL Barbershop, Haïti avec Jamaïque pour aller rouler ballon. Et puis, ambiance musicale, boucan d'y fait à classe. Tony Mix, Click, Divac, DJ Nicky Mix, Billy Mix, Pascal, Diego et DJ Wagabulu NYC pour aller faire Tidi fait volant, mettre cérémonie, coach Roland. Admission $20, patronné par coach Roland École de Sport, Dr. Sano Chiropractor, Allen TV, Radio Mega, Pay Here, NG Production, InfoLine, 786-290-6166, 954-263-4690, 786-619-5880. Desko toujours été fidèle à Telemasters TV. Je dis en sous plateau à Telemasters Magazine. Nous gagnons politologue Maudley Fertile. Alors nous avons parlé sous nous fait différence là déjà de un politologue avec un politicien. Nous avons politologue là il gagne by avis parle concernant crise sociopolitique que nous a traversé là actuellement en Haïti. Et puis nous t'es sous administration Jovenel Moïse là. Alors, n'a continuer pour nous capable dire qui solution vraiment nous gagner en tant que peuple pour nous capable sortir tête nous dans instabilité sociopolitique ça que nous gagne là actuellement. Non, alors, je pense que c'est très simple. Je dis en là, pas qu'on soit venu sur ça mais peut-être que nous doit avancer sur lui. Je dis en là, en Haïti, je pense qu'on possibilité au moins pour nous carrer dans ce pays là. Désolé, vous pouvez parler de en élection. On va parler des situations qui sont là, par un parlement, par un président, ouais, président de cassation moui, son pays côté de garde presque tout et tout à pouvoir yo à tes plats. C'est-à-dire l'état presque inexistant, l'état failli avec sa gain commission, nous vivons une situation de carré dans ces pays. Côté de carré d'accord pour refonder l'état. L'État qui a besoin de mettre sous pied et regarder véritablement ensemble de problèmes qui nous fait face jeunesse en Haïti et comment nous cabons l'objectif avec le pays. Ça veut dire qui ça? Je dis en un, président Moui, parlement gagne 10 seulement sénateurs là-dedans, et ça a gagné environ 2 ans. Et ou gagne président coup de cassation Moui, gagne plus n'importe 2 à 3 juges qui révoquent, mandat soit pour une raison ou l'autre, président Moui a dit qu'il peut mettre en pension, etc. Mais qu'on y a là, sans tenir compte, pour qui ça, nous pas qu'à relancer pays, nous mettons d'accord avec Haïtien pour nous dire, mais qui ligne dans le pays sur un projet de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans. Ok? Je dis, on a encore Penn, on a encore Montana, on a encore Ariel, qui ça va porter comme résultat? Tout le monde dit, il y a un travail pour l'autre Haïti. Tout le monde dit, il faut pays changer. Tout le monde dit, il faut que conditions de monde changer. Tout le monde dit, vous devez lutter contre la sécurité, lutter contre le kidnapping, lutter contre le viol, contre le cadejac, etc. C'est un bandé. Mais ok, il y a un problème. Nous, tu nous dis ça. Pour qu'ils ne pas mettre ensemble. Montana. Bon, Ariel, mais est-ce que nous parlons d'Ariel quoi? Ariel, bon, comme vous dites, comme vous dites, tout. Oui, alors mais, Ariel, son nègre qui part là comme président, que le groupe mettait là, qui n'a pas gagné avec véritablement les Haïtiens. Parce que j'aime tout remettre.
parce que corps groupe blanc son groupe moun son groupe organisation de malfaiteurs que voyez sérieusement m'a expliqué ça me fait ça comme ça nous pas de gens comme ça au sérieux avant 1492 c'est l'Espagne c'est l'Italie qui vient la faire mettre en esclavage Jean Paquet Simonita et nous savoir pour rouge là qu'avait Moïse Nicolas paisiblement il faut travailler très dur d'ailleurs on a en Afrique en 1603 là pour goumer et l'Argentine pour prendre indépendance sur la France nous fait payer une indemnité un paquet de millions l'en pas payer l'argent nous fait payer ton l'argent dans banque en France entre usurier de 30% nous pas payer nous prêter l'argent dans banque la caillou pour payer yo pour n'a payer l'argent prêter dans banque là et n'a mettre l'argent sur lui comme intérêt l'Argentine pour indépendance les États-Unis pas d'amis pas de jambe connecter indépendance nous Ça dit même pays ça vient fond de corps groupe en Haïti aujourd'hui hein c'est des pays qui t'kembe nous pour tout pis nous pour pas jamais sortir dans situation difficile qui nous aujourd'hui hein je dis à ce faire former corps groupe blanc et c'est au cap diriger pays hein nous ça pas je veux bien pour c'est au pas il qui met Ariel là comme premier ministre et pas ici met Ariel c'est yo avec un tweet après le journal Moïse discussion entre Claude Joseph et Ariel qui est-ce qui premier ministre qui est-ce qui premier ministre you know pas premier ministre C'est la seule solution que tu as gagné pour te dans ce pays. Bon, comme de fait, Ariel là, et bien, puisque Ariel là, bon accord qui se sont dans Montana, bon petit respect le pays sénateur qui là-haut, au moins comme c'est au même celle qui a légitimité, mais vous mettez que nous d'accord, nous disons, mais c'est, mais ça Montana a gagné, mais ça Ariel là a gagné. Bon, pas Ariel là, son bataille, il doit faire un temps pour un accord pour mouton gouvernement, et pas un accord pour retirer le pays côté lié là. Pas gagné avec le pays dans l'accord Ariel là. L'accord Ariel là, son groupe de nègres qui besoin. Partage un gâteau, prends tel poste, prends telle direction générale, prends tel ministère, et puis vous lancez. Ok? Mais à quoi Montana, nous tiens plus ou moins de bagages sérieux qui ont fait là-dedans, nous te capons dans le nous faisons un seul, quitte Parlement, quitte Ariel, quitte Montana, et puis on dit, monsieur, on est dans ce pays hein, pour 25 ans, on regarde ce qu'on a fait. Ok, bah, on regarde la question conseil électoral permanent dans le pays. Hein? Ok? On regarde la question pour le Caribe, on a fait la conférence nationale, hein? Et puis on a dit, on a avancé avec le pays. Hein? OK mais là nous tout chita à l'avenue de chaque nèg campé sous code pa il y a pas aller c'est accord pam on a code accord payant tout ça payant pour gagner accord accord besoin là son accord contre les sécurités un accord contre kidnapping un accord contre viol un accord contre la violation systématique des droits de l'homme c'est accord ça qu'il besoin un accord pour gagner des présidents gagner des députés gagner des sénateurs des monde qui légitime qu'à l'élection qui passe convenablement qui vous dirige payant Yon accord côté nous pas regarder question diplomatie paysan. Yon accord côté nous pas mettre des forces l'armée et la police sérieusement dans paysan qui pour contrôler territoire terrestre, maritime et aérienne qui pour permettre que au moins paysan véritablement indépendant tout bon. Paysan véritablement carré contrôle sur lui qui mettait qui pour éviter toutes armes ça entrer dans paysan. C'est à quoi ça qu'on a besoin. Ça dit quitte l'accord Ariel, quitte Montana, quitte le Sénat. Son seul accord que nous besoin un accord pour Haïti et pour sauver Haïti pour retirer Haïti dans sa là un accord qui pour sauver Haïti un accord côté que accord ça l'a touché tout secteur qui gagne dans pays pour nous capable mettre Haïti en voie de développement c'est ça politologue modèle fertile dit nous jeudi alors politologue c'était un plaisir pour nous être capable gagner sur Telemasters magazine alors c'est moi qui vous remercie seulement m'a demandé avec tout le monde qui a suivi mission ça Et nous venons dans une situation pour une prise de conscience collective qui prend. Parce que pour une prise de conscience collective, il faut nous chaque déjà nous conscient de l'État. C'est-à-dire, il ne faut pas que nous conscient de l'État, nous sommes conscients de ce qui est mal, qui nous fait déjà. Nous avons une situation à révolter contre comme le comportement de l'État, contre le comportement bourgeois comme le droit, pour nous dire que payant c'est pour nous. Et puisque payant c'est pour nous, c'est nous seuls qui avons retiré le côté là. Par exemple, tout dit, si je dis qu'il y a des salines Christophe, C'est la France, c'est international là qui pour entrer dans pitié, pour pouvoir être indépendant, ne pas être jamais indépendant. Et puis je dis en bataille, c'est bataille peuple qui est lié, c'est ensemble nous cachons une situation à vivre. Parce que politique là, il visait bien-être collectif. Politique là, il visait un changement social dans le sens positif. Politique là, c'est bien-être pour tout le monde. C'est la transformation de la cité. C'est la gestion rationnelle des affaires de l'État. Et ça fait besoin de monde qui est capable, de monde qui connaît, qui est éduqué, qui peut gérer le pays. C'est-à-dire nous devons battre qui fait contre la médiocrité, nous battre qui nous fait contre les délinquants, mais nous battre qui pour primer l'intellectualisme en Haïti.
Merci. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terminus du magazine. Avant de partir, je remercie le staff moi en Haïti qui a un travail extraordinaire et je remercie le staff qui a retrouvé les Miami, notre PDG, M. Guy Pierre Charles et son associé William Welch. Et puis, avant que nous terminions, il y a une annonce que nous comptons faire, ou même qui est fanatique de Masters TV et qui est un fanatique fou de bateau. Alors, information, on sait que jeudi 23 décembre, ap gen yon gala kap fèt nan restaurant numéro 1, c'est 7920, nan Pines Boulevard. Scorpio Handicap VIP, c'est à $100 et puis carte régulier, c'est à $40 à l'avance. Donc, bateau compte sur nous, Telemasters TV attend tout le monde. Pour toute information, nous capables rele sur numéro ça qui c'est 786-200 130-01-66. C'est bien moi, Kimberley Dieudonné, qui vais bien sûr vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau magazine.